Oh, excuse-moi. Rima, tu peux arrêter, s'il te plaît. Ah, Caïn, tu viens danser avec nous? Non, merci, j'ai une affaire importante à régler. C'est dommage, tu ne sais pas ce que tu rates. Après chaque danse, tu dois changer de cavalière, c'est la tradition. Oui, c'est vrai. Du calme, je danserai avec chacune d'entre vous, c'est promis. C'est mon tour. Tu n'as qu'à danser avec Chiki. Non, c'est à moi de danser avec lui. M'empêche. Ah non, mais... ne vous battez pas, mesdemoiselles. Rien de cassé? Tu ne t'es pas tordu la cheville, j'espère? Tout va bien, merci. Ah, apprends à mieux te comporter en société, Takuma. J'espère que monsieur n'a pas pour projet de sucer le sang de ces innocentes demoiselles. Quoi? On n'a plus le droit de se montrer galant? À propos, c'est quoi ton affaire urgente? Ça ne te regarde pas. S'il y a quelqu'un que je dois tenir informé ici, c'est Kaname. Bien. Tiens, ça me fait penser que notre petite nouvelle ne s'est toujours pas montrée. Enfin, je ne voudrais surtout pas te soustraire à tes obligations. Amuse-toi bien. Le chef n'est pas avec toi? Non. Est-ce que tu cherches un cavalier? Tu perds ton temps. J'ai décidé que je ne danserai qu'avec Kaname ce soir. Au risque de paraître insolent, permets-moi d'insister. Maintenant, remplis ta part du contrat. Il me faut ton sang. Partout, on me traque sans relâche. Il me faut absolument reprendre des forces. Mais qui vous poursuit? Les chasseurs de vampires? C'est pour cette raison que vous avez besoin de force? Attendez, jurez-moi que vous ne vous en prendrez pas à un élève de l'académie. Rassure-toi, ton sang me suffira. Tu es bien courageuse, ma petite. Sais-tu seulement quelles sont les conséquences de la morsure d'un vampire de mon rang? Écarte-toi de Yuki! Ah, Shizuka! Qu'est-ce que tu fais là? Monstre! Yuki, pousse-toi! Pourquoi est-ce que tu la protèges? Parce qu'elle est la seule qui puisse t'éviter d'atteindre le stade de level E! Tu dis qu'elle veut me sauver? J'ai passé un marché avec elle et je l'honorerai. En contrepartie, elle m'a indiqué le moyen d'empêcher que la transformation soit complète. Et pour cela, tu devras boire son sang. Ne t'en fais pas, pour moi, mon sort importe peu. Ma décision est prise. Ne la touche pas! Si le sang de cette créature malfaisante peut me sauver, j'en boirai, mais d'abord je dois la supprimer. À nous deux. Retrouvez la suite de ce programme sur votre espace de vidéo à la demande, Kazéplay.